Kat Middleton, sa sœur Pippa la copie avec rare apparition avec son mari James Matteo. Plus on est de fous, plus on rit. On ignore si l'adage a fonctionné pour la famille royale ce jeudi 15 décembre, mais quoi qu'il en soit. C'est ensemble que les Windsor sont arrivés à l'abbaye de Westminster de Londres dans la soirée. Tous venaient assister à la messe et au concert Christmas Carol organisé, pour la seconde année consécutive, par la princesse de Galles. C'est dans une magnifique robe manteau bordeaux que la duchesse de Cambridge a fait son apparition. Suivie de près par son mari le prince William et George, 9 ans et Charlotte, 7 ans. Deux de leurs enfants. Star de la soirée, Kat a pourtant frôlé l'éclipse à cause de sa sœur. C'est auprès de son mari James Matteo que Pippa Middleton est arrivée. Tout comme sa sœur et d'autres membres du clan royal comme Zara Phillips et la petite Charlotte de Cambridge. Pippa est apparue elle aussi dans une tenue bordeaux. Un dress code qui n'a fait qu'accentuer la ressemblance déjà frappante entre Kat et Pippa. Brune, fine et lancée, les deux sœurs ont la chance d'avoir retrouvé la ligne très rapidement après leur grossesse. Deux copies conformes découvertes le jour du mariage de Kat et William en avril 2011. Stylo Diva place Hold A1 et A1, 8-300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8-990px, div. A place Hold A1 et A1, 8-620px, minimum et 350px, style. C'est le jour du mariage de Kat Middleton et du prince William que le monde a fait plus ample connaissance avec Pippa. Petite sœur de la duchesse de Cambridge. Si à l'époque, Kat était évidemment la number one de la journée grâce à sa robe Alexander McKean. Pippa n'était pas en reste. Elle et son fessier avaient en effet volé la vedette aux stars de cette journée cruciale. C'est ainsi que la jolie brune s'était retrouvée bien malgré elle sur le devant de la scène. Cet événement n'a heureusement rien changé aux relations que les deux entretiennent. Impossible pour Pippa de ne pas venir soutenir sa sœur en ces temps mouvementés. En apparaissant quasi main dans la main ce jeudi 15 décembre, Kat, William, Charles, Camilla et le reste des membres de la famille royale envoyaient un message fort à Meghan Markle et au prince Harry, rien ni personne ne pourra briser l'unité du clan. Leur série Harry et Meghan, dont les derniers épisodes sont sortis sur Netflix le même jour, regorgeait de piques et d'attaques qui leur étaient adressées. Des révélations que tout redoute mais qu'ils ont affronté la tête haute. Une attitude qu'ils comptent garder jusqu'au bout.